Sega! Et oui, je fais moi-même mes... Et je m'autoproduis maintenant, je... Voilà. Donc Sonic... Hop, 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 on va le faire Sonic, Sonic rapidement. Oui, je dis ouais, je dis ouais, je dis ouais, je dis ouais, c'est Sonic the Hedgehog, c'est Sonic, je dis ouais. Donc on va le faire aussi speed que Sonic, hein, pour cette nouvelle GTTV numéro de 1, puisque en fait le premier c'était la numéro 0, donc bon, on va dire c'est la GTTV numéro 2, en association avec ce Sonic numéro 2, qui est sorti sur Master System en 1992, en tout cas c'est la version qu'on teste. On s'est aussi sorti sur Mega Drive, sur Game Gear, et puis plus tard, enfin ces dernières années là, même cette année on va dire, sur Xbox Live Arcade et sur console virtuelle. Donc ça c'est la suite de Sonic, que vous connaissez peut-être, même c'est sûr, qui a été développé par Sega AM8, qui pour l'occasion s'est renommé en Sonic Team. Et donc ça met en œuvre deux personnages, ma foi fort sympathiques, puisque c'est un hérisson, oui je me dis hérisson si je veux. Un hérisson bleu donc, et un renard roux avec deux queues, ce qui est bien pratique pour... enfin bref. Donc oui, donc ce Sonic 2, c'est un jeu de coopération, on va dire, puisque désormais vous pouvez choisir de jouer soit Sonic tout seul avec Tails qui le suit partout comme un bon petit chien-chien à sa mère, soit faire une partie en mode deux joueurs, comme je suis en train de faire actuellement. Voilà, moi j'ai déjà fini. Donc Sonic en haut et Tails qui est en bas, qui est donc joué par quelqu'un d'autre. Alors actuellement, nous avons un guest star de luxe qui est invité pour jouer Tails, mais il dira rien parce que j'ai pas envie qu'il parle. Voilà, donc niveau coop, soit à deux, soit tout seul avec Tails qui finalement nous aide pas vraiment quand on joue tout seul, hein. Il est plutôt là pour suivre et faire les mêmes mouvements que Sonic. Voilà, et donc Tails il a la particularité d'avoir deux queues, ce qui permet de voler, mais bon, quand on joue à deux, on peut ne pas utiliser cette superbe action, donc ça sert à rien. Par contre, dans les épisodes d'après, on pourra utiliser les deux queues pour voler. Donc voilà, donc l'histoire c'est toujours le même, hein. Docteur Robotnik, tiens lui aussi il a un nom bizarre. Docteur Robotnik a encore transformé des animaux en espèces de petites bêtes mécaniques. Et donc le but du jeu c'est de parcourir ces niveaux colorés et champêtres afin de sauver donc ces animaux et de les retransformer en gens normaux. Voilà. Donc alors pour ce faire vous avez toujours les anneaux qui ressemblent à des petits huitos, donc les petits anneaux dorés là, qui vous permettent de devenir, par exemple, Sonic peut devenir Super Sonic en ayant récupéré 50 anneaux à chaque fois qu'il passe les checkpoints. Et donc grâce à ça, il gagne des émeraudes à chaque fois. Et cette émeraude le transforme en Super Sonic. Alors le Super Sonic, c'est la même chose que le Super Saiyan, c'est-à-dire un Sonic qui devient blond avec les cheveux en l'air, tout ça. Encore plus speed que normal. Alors déjà, bon, il est déjà bien speed, alors voilà. Et donc le Super Sonic, c'est un être surpuissant qui a été pompé sur Dragon Ball, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, ce Sonic 2 c'est pratiquement tout point pareil au Sonic 1, sauf le mode coopération, Tails qui vous suit partout, le Super Sonic. Mais d'un autre côté, bon, on s'amuse toujours autant, et encore 10 ans, même plus 15 ans après, on peut encore s'amuser. Donc c'est un très bon jeu que Game Trip vous conseille évidemment, et on lui met la note de 4 sur 5. Voilà pour ce Sonic 2 sur Master System. On se retrouve à la prochaine Web TV, d'ici là, portez-vous bien.